En manchette aujourd'hui, débat des candidats à l'élection fédérale dans Berthier-Masquinongé. Ça s'est passé ce midi à Saint-Norbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 14 septembre. Donc, débat dans Berthier-Masquinongé. Ça s'est déroulé à Saint-Norbert aujourd'hui, à l'église de l'endroit qui est convertie en salle qui peut accueillir les gens. Le débat des candidats, candidates à l'élection fédérale avait donc lieu aujourd'hui. Voici donc un extrait de ce débat où chacun des candidats se présentait. On entendra Rothélène Brosseau du NPD, Yves Perron, le député sortant, candidat du Bloc québécois, Léo Soulière, candidat pour le Parti conservateur, et Laurence Riquier, candidate des Partis verts. Ajoutons que le candidat libéral Alexandre Bellemare n'était pas présent et avait refusé donc l'invitation. Il était absent. On écoute cette mise en situation pour le débat. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce débat. Je souhaite d'entrée de jeu remercier évidemment la Chambre de commerce pour l'invitation. Très heureux de me trouver dans ce magnifique site qu'est l'espace Jean-Pierre Ferland. Je souhaite aussi à mes collègues qui se retrouvent avec nous, les quatre collègues en plus, c'est une bonne nouvelle. Alors, bon débat à tous. Écoutez, depuis les 20 derniers mois, je suis en poste à titre de député. On a travaillé vraiment très, très, très fort. On a, pendant la pandémie, vous savez qu'on a été ouvert 7 jours sur 7 au bureau. On a reçu des gens, on s'est occupé d'eux. On a aidé beaucoup de rapatriements. Et au-delà de ça, on a obtenu des gains. Entre autres, le transfert des sommes pour le déploiement de l'Internet. Bien sûr, la question n'est pas réglée, mais il faut se rappeler que le gouvernement fédéral avait un programme 2026 échéancier. En transférant les sommes à Québec, l'échéancier maintenant est la fin 2022. Donc ça, c'est un gros gain. D'ici un an, on devrait avoir des grosses transformations à ce niveau-là dans la circonscription. Il y a aussi, évidemment, on a obtenu un engagement formel dans le budget pour les victimes d'apérotites, plus dans la partie mauricienne. On travaille vraiment fort pour les gens, avec les gens. On est présent. Le Bloc québécois a démontré depuis les 20 derniers mois aussi sa pertinence à la Chambre des communes. Vous avez vu le Québec fièrement représenté, notre langue, notre culture fièrement représentée. En début de mandat, on a réussi à bloquer le financement de la contestation de notre loi sur la laïcité par la Commission scolaire English Montreal. On a réussi aussi dans les négociations internationales de la CEUM, donc de l'accord avec les États-Unis et le Mexique, à protéger l'aluminium. Il n'y a personne qui avait vu cette faille. C'est notre équipe de recherche qui a découvert l'affaire. On a fait une proposition d'une note d'entente, mais ce qu'on a proposé tellement pertinent a quand même été adopté par Washington. Le travail du Bloc québécois, c'est ça, pour le Québec, toujours et tout le temps. Merci. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir. Pour les ceux qui connaissent un peu moins, je suis moins connu que les acteurs. J'ai fait de la politique provinciale. J'ai été conseiller municipal à trois termes de Saint-Geneviève de Berthier. Je remercie la Chambre de commerce pour ce qu'ils m'ont vu ici. C'est une belle expérience et c'est une belle opportunité de travailler avec tout le monde. Puis je veux aussi remercier tous les partenaires qu'on a ici, là, qui ont des industries, qui se battent pour avoir du personnel. C'est pas évident, nos jours, d'avoir des compagnies, des business avec les membres de l'industrie. C'est pas tout à fait facile. Moi, c'est sûr que je suis un gars de terrain, plus. J'ai tout à fait un gars de terrain, tout à travailler pour les municipalités. J'ai fait beaucoup de belles voies. C'est sûr que. Mais je suis occupé aussi des sentiers de mon domaine. J'ai été intégré dans ma communauté. J'espère que pour l'avenir, que la pandémie, surtout qu'on est en élection, la plupart des personnes n'ont pas voulu prendre l'élection. Je pense que c'est pas le moment important pour déclencher des élections. Je trouve que c'est un petit peu un manque de respect pour les citoyens, pour le monde, d'être en élection présente. J'espère que la pandémie va pouvoir s'arrêter le plus vite possible
Puis que tout le monde travaille, tous les paquets de gouvernement travaillent ensemble pour trouver des moyens pour être plus efficaces pour éviter la pandémie. L'économie, là, c'est très important, notre économie est présentement en veille, comme on pourrait dire. Et ce serait important que tout le monde travaille ensemble, toutes les parties. Il faut arrêter de diviser, diviser les provinces, diviser les. Merci. Merci. Merci à tout le monde pour leur présence aujourd'hui. Je vais prendre un moment pour remercier l'organisation de la Chambre de commerce. C'est un exercice démocratique important. Ça vous permet de rencontrer les candidats, de nous entendre sur leur vision, les propositions. Donc, merci. Je vais prendre un moment pour remercier aussi les entrepreneurs, tout le monde dans la salle aujourd'hui, pour votre résilience pendant le pandémie, votre créativité. Vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires. Merci. Merci. Donc, moi, je me présente en politique. J'ai le goût de faire de la politique et trouver des solutions concrètes pour améliorer la vie des gens de chez nous. Expérience en politique, j'ai eu l'honneur de servir les gens de Petit-Masse-Longer à la Chambre des communes pendant deux mandats, où j'étais porte-parole en agriculture, WIP, qui est comme le maman et le papa de tous les députés, mais un rôle super important aussi, c'est de leader parlementaire, les questions stratégiques. Je suis connue pour être une femme de terrain, accessible, disponible. Et aussi, je vais prendre le moment pour remercier M. Perron pour votre travail aussi pendant la pandémie. Chapeau à l'équipe de M. Perron. Je sais c'est quoi avoir des bureaux dans le comté, traiter des dossiers. Des fois, c'est vraiment pas évident. Donc, je vous remercie pour votre travail, pour cette semaine et la différence que vous avez faite pendant les mois. Pour moi, il y a des défis qui sont grands. Parler du crise climatique, on peut parler de la pénurie de la main-d'œuvre. Moi, je veux travailler avec les maires, les maires, les entreprises chez nous pour trouver des solutions concrètes pour améliorer la pénurie des gens de chez nous. Donc, merci à tout le monde et félicitations à tous les candidats. C'est quelque chose, votre nom de l'avoir participé au débat et c'est vraiment important. Donc, je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui, mes confrères et consoeurs. Merci. Bon débat à tous. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très enchantée d'être parmi vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, donc je suis Laurence Requillet. Je suis la candidate pour le Parti Vert. Puis je tiens sincèrement à remercier la Chambre de commerce de me permettre d'être là parce que je sais qu'ils ont travaillé fort pour que je trouve. Et surtout, nous serons plus au bout de l'année. Je pense à 9h du soir, elle faisait des appels pour me permettre d'être là. Donc merci infiniment. Ça me touche vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Puis c'est ça, je ne suis pas venue souvent ici à Saint-Norbert, puis j'ai écrit à mon papa qui est en Belgique, en tout cas, je suis originaire de la Belgique, mes parents sont toujours là-bas, puis je lui ai écrit parce que mon papa s'appelle Norbert. Puis j'ai dit, tu sais papa, mon débat aujourd'hui, c'est à Saint-Norbert. Puis quand je vois l'église, je me dis, waouh, c'est vraiment beau, puis vraiment félicitations à la municipalité de travailler pour conserver le patrimoine comme ça. Je vais vous parler un petit peu de moi, parce que comme je disais, vous ne connaissez sûrement pas. Moi, j'habite à Saint-Paulin depuis 12 ans à peu près. J'ai été conseillère municipale là-bas pendant 7 ans. Donc, le municipal, c'est quelque chose que je connais un petit peu quand même. Pourquoi être ici devant vous aujourd'hui? Je suis quelqu'un de très, très, très occupé cet été. C'était comme pas le bon moment pour me présenter. Mais quand on m'a dit, il n'y a personne pour le Parti Vert, j'ai dit, ben, OK, j'y vais parce que je n'ai pas le choix. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé cet été, justement l'inondation en Europe, les incendies dans l'Ouest, en tout cas, je pense que les cultes ici, je pense que me connaissant avec les valeurs que j'ai, c'était de mon devoir d'être là ici aujourd'hui. J'ai des jeunes enfants, puis je la regarde aller, puis je me dis qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, parce que oui, on a eu toute la crise du COVID à traverser, malheureusement, qui n'est pas finie. Puis je suis travailleuse autonome, donc je comprends tout à fait ce que les entrepreneurs vivent. Là. Je veux dire, je pense que la résilience, c'est vraiment le mot qu'on a utilisé le plus pour le moment. Donc je me dis, ben, voilà. Dès demain, sur nos ondes, vous pourrez regarder et entendre le débat en entier. Donc, c'est à suivre dans la programmation de CTRB pour les prochains jours là, jusqu'à ce week-end. Le Crédit lance une déclaration jeunesse en faveur d'une reprise post-COVID juste et inclusive. Dans le cadre de ses actions de solidarité internationale et en réponse à une année remplie de défis liés à la crise sanitaire, sociale et économique, le Comité régional d'éducation pour le développement international de la Naudière, le Crédil,
a voulu créer un espace d'expression et d'engagement pour des groupes de jeunes du Québec, de la Bolivie, du Pérou et du Togo, afin de leur permettre de réfléchir à leur avenir et de proposer des solutions pour une reprise économique post-COVID, verte et inclusive. Cette réflexion s'est réalisée dans le cadre de 3 forums internationaux virtuels pendant lesquels les groupes de jeunes ont pu échanger, apprendre et partager leur vision de la justice sociale en contexte de pandémie. Ce projet, réalisé en collaboration avec des partenaires étrangers au Pérou, en Bolivie et au Togo, a permis de rassembler plus de 35 jeunes provenant autant de zones urbaines que rurales et quelques-uns provenant de communautés autochtones, autour d'un dialogue qui s'est traduit par une action concrète de solidarité internationale. De janvier à mai dernier, ces jeunes ont participé à des rencontres virtuelles sur des enjeux tels que l'égalité femmes-hommes, l'environnement, les changements climatiques et sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Malgré les frontières, les barrières de la langue ou les difficultés d'accès à une bonne connexion, les jeunes se sont montrés intéressés à s'impliquer dans ce projet d'engagement jeunesse. L'objectif final de ces échanges consistait à rédiger une déclaration où sont identifiés les enjeux qui touchent ces jeunes et leur communauté. Des pistes de solutions y sont également proposées aux citoyens du monde, citoyens et citoyennes du monde, et surtout aux autorités et aux élus. Cette déclaration est un symbole de désir de changement et du désir d'un avenir meilleur pour ces jeunes. Elle sert à démontrer à nos élus la nécessité et l'urgence d'agir pour atteindre ces changements. La déclaration complète vient d'être publiée et peut être consultée sur le site internet du CREDIL, credil.qc.ca/déclaration-forum.html ou sur la page Facebook de l'organisme. Dans les prochains jours, elle sera transmise aux élus du Québec et dans les pays participants. Le CREDIL invite également citoyens et citoyennes à aller signer une pétition en appui à cette déclaration. Cette action simple leur permet d'offrir leur appui à la voix et à la vision des jeunes dans la co-construction d'une reprise post-COVID verte et inclusive. Allons à la pause. Quand je me lève le matin, je voudrais être nulle part ailleurs. Berthier Masquinongée, c'est chez moi. On a de quoi être fier de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Mais ça pourrait aller vraiment mieux. Ensemble, on avait fait des gains pour notre région, mais depuis 2 ans, on recule. C'est pour ça que j'ai le goût de retourner me battre pour nous. On a besoin d'une voix forte à Ottawa. On mérite mieux. Le 20 septembre, osons ensemble. Voici les anniversaires, en ce 14 septembre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Carmen Chassé et le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite un heureux anniversaire à Joanne Leblanc. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Comme mentionné hier, CTRB vous présente candidats et candidates qui se présentent dans la circonscription de Berthier-Masquinongée afin de mieux les connaître avant votre choix. Hier, nous vous présentions Geneviève Sénécal du Parti populaire du Canada. Voici donc la suite de cette rencontre. Il est question, cette fois, de politique. On l'écoute.
pour les aider. Je pense notamment à un système de récompense sur les achats régionaux qui pourrait être bien. Sinon, pour les agriculteurs, il y a le programme du Parti populaire du Canada qui veut, dans le fond, supprimer le système de gestion de l'offre. Ça empêche, dans le fond, les agriculteurs d'exporter leurs produits et ça interdit aussi la concurrence sur le marché. Okay. Donc, de supprimer ce programme-là, mais sur plusieurs années, là, pour que, évidemment, les agriculteurs puissent comme, s'adapter, aussi, dans le fond, les compenser pour leurs quotas. J'ai vraiment comme plusieurs idées. Je suis une fille de projet. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'idées pour la circonscription, là, vraiment. Parfait. Parfait. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose qu'on n'aurait peut-être pas parlé? Je dirais que, en tant que citoyenne aussi qui a fait du bénévolat dans un organisme de lutte à la pauvreté, je pense que c'est important aussi de travailler à combler le fossé, dans le fond, qu'il y a entre l'école et les parents en cas de défavorisation socio-économique. Que pourrais-je ajouter? Sans doute plein d'autres choses. C'est sûr, ça, c'est commun. Je pense que tout le monde, après, sont comme « Oh, mon Dieu, j'aurais pu dire ça! » Non, mais c'est sûr que... je pourrais dire aussi, au niveau, dans le fond, de la crise des mesures sanitaires, je suis d'avis, en fait, que les dommages collatéraux de la crise à ce stade-ci sont beaucoup plus importants, dans le fond, que les bénéfices des mesures. Donc, oui, c'est certain qu'il faut continuer à protéger les immunosupprimés, ça, c'est certain. Sauf que je pense qu'il est temps aussi qu'on apprenne à vivre avec le virus, parce que si on regarde les impacts, dans le fond, là, que ça a eu, que ce soit sur les individus ou sur les entreprises, si on regarde les impacts sur le système de santé, également la dette exorbitante du pays, c'est vraiment tous des points là, que c'est important de regarder. Là, qu'est-ce qu'on veut comme futur pour nous, pour nos enfants? Là aussi, là, c'est important maintenant de penser à tout ça, tout le monde ensemble aussi. Là. Parfait, merci. Mais merci. Toujours dans le thème des élections fédérales, voici la suite de l'entrevue que nous a accordée Dany Légaré, qui représente le candidat Steven Lamirande du Parti Marijuana. Le Parti Marijuana apporte cette année 8 candidats. Nous avons Abitibi-Nunavuk, qui est représenté par Jimmy Lévesque. Nous avons Saint-Maurice-Champlain, qui est représenté par Hugo Beaumont-Tremblay. Nous avons Berthier-Masquinongé, qui est représenté par Steven Lamirande. Nous avons la circonscription de Joliette, qui est représentée par Yannick Théoret. Nous avons aussi la circonscription de Ville-Marie-Champlain, qui est représentée par Hans Vargas. Nous avons la circonscription de Shefford, qui est représentée par Yannick Brisebois, pardon. Et nous avons la circonscription de Beauce, qui est représentée par M. Sébastien Tanguay. Donc, cette année, nous débutons notre campagne de financement politique, notre campagne qui a pour titre « Exhibition », pour essayer de diminuer l'ostracisme et le stigmatisme que les utilisateurs ou tout simplement la plante de chanvre ou la plante de cannabis vit depuis des décennies, depuis que la prohibition a été mise en place. Donc, je vous ai apporté un objet, je vais vous le montrer en primeur. Je vous montre ça ici. Voici notre nouvel objet de propagande politique qui va être distribué à chaque candidat qu'on a, qui va pouvoir se promener fièrement et montrer cet objet qui a vécu en tant qu'objet de l'ostracisme depuis des années. C'est une œuvre d'art qui a été créée par des artisans. Ça a été soufflé à la main. Mais pourtant, cet objet-là est considéré tellement mal par le ministère de la Santé du Québec qui harcèle les commerçants. Ils n'ont même pas le droit de démontrer un objet comme ça. Quand que vous allez dans des boutiques, ils sont obligés de les cacher en arrière des rideaux ou de les cacher en arrière des portes, comme si c'était tellement mal de simplement montrer un objet comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous le montre en primeur. Et puis, nous allons le démontrer publiquement sur tous les réseaux sociaux à compter d'aujourd'hui. Donc, je suis fier de vous le présenter.
Et puis, tout ça pour dire que le Parti Marijuana arrive avec plusieurs propositions, un nouveau plan, un plan qui est plus vert. On propose d'utiliser toutes les terres du gouvernement fédéral qui ne sont pas utilisées, mais qui sont utilisables. Nous proposons de faire une culture de chanvre à grande échelle et nous proposons aussi d'utiliser les bâtiments gouvernementaux, qui sont non utilisés, que plusieurs sont présentement laissés à l'abandon pour la culture du cannabis médical. Ces propositions qui sont tout simples vont rapporter un impact direct sur l'environnement. Si on parle juste de l'environnement, chaque hectare de chanvre emprisonne 20 tonnes de carbone dans l'atmosphère. C'est une des plantes les plus écologiques qu'on devrait logiquement planter. On peut faire deux récoltes de chanvre par année. Donc, on y va sur l'économie, mais évidemment, quand on parle de culture de chanvre, ça va rapporter automatiquement un regain au niveau économique. Ça va rapporter de la création d'emplois. On a mis en place un vaste programme, que ce soit pour les familles, pour la création de garderies subventionnées, pour la construction, domaine de la construction et bâtiments verts, bâtiments écologiques. Parce que si on parle de chanvre, le chanvre peut être appliqué à plusieurs niveaux dans la construction, que ce soit l'isolation des murs, l'isolation du toit, le revêtement extérieur, le revêtement muraux. C'est un matériau qui, contrairement à tous les autres matériaux, qui respire, donc qui évacue très bien l'humidité à l'intérieur des maisons. Et puis, c'est un matériau qui ne nécessite pas d'insérer des préservatifs et des pesticides à l'intérieur. Donc, c'est un matériau qui mérite à être connu. Donc, c'est une nouvelle proposition qu'on apporte aux électeurs. Et puis, il manque simplement, dans le fond, aux électeurs à découvrir notre programme et puis à croire un peu plus en la plante de chanvre et en la plante de cannabis sous toutes ses formes. Parce qu'on parle de niveau médical, on parle de niveau alimentaire, on parle de niveau production même d'essence. Le chanvre peut produire de l'essence, peut produire du plastique, peut produire du textile, peut... les utilisations du chanvre sont illimitées. Et puis, si on parle du cannabis, les bienfaits du cannabidiol ne sont plus présentement à contester. C'est un produit qui est de plus en plus utilisé, si on parle vraiment du CBD, pour les gens qui ne connaissent pas le cannabidiol. Le THC étant la molécule euphorique, la molécule, si on veut, que les gens vont consommer la plante de cannabis pour avoir du plaisir, mais il n'y a pas seulement la molécule de THC, on parle de 480 molécules qu'il y a dans la plante de cannabis et dans la plante de chanvre, dont 80 qui sont uniques à la plante de cannabis. Donc, il reste juste à découvrir tout ça et à mettre ça en place. La légalisation apporte ça, heureusement. C'est un nouveau marché qui reste à développer. Puis, on a plein de belles solutions à proposer aux électeurs qui ne restent simplement qu'à nous faire confiance dans nos programmes. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
au CHDL Saint-Charles-Borromée le 4 septembre à 77 ans, est décédée Mme Geneviève Dubé, épouse de Feu Noël Allard et conjointe de Jean-Claude Lebrun, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Daniel Brisson, Serge Dubé, Martin Allard, Nadia Bergeron, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères. André Dubé, Mario Dubé, Jean Dubé, Charles Dubé, Normand Lebrun, François Lebrun, Daniel Lebrun, Sylvain Lebrun, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Dubé ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille. Au CHLD, le Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 28 août, à 74 ans, est décédé M. Gilles Pelletier, conjoint de Louise Moreau, de Marceau, pardon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Jean-Michel Pelletier, Andréane Pelletier, ses trois petits-enfants, Philippe-Olivier Racine, Milan Racine et Adélie Bussière, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Selon ses volontés, M. Pelletier ne sera pas exposé. Une cérémonie en privé aura lieu à une date ultérieure. Passons maintenant à la météo. Donc, au niveau météo, on parle de pluie en ce mardi soir. Possibilité, là, cette nuit, entre 15 et 20 mm. Mercredi matin, nuageux et caverne, ça va se calmer. On parle quand même d'un seul millimètre de pluie. Le soleil revient, nuageux avec éclaircie demain en après-midi, donc mercredi, ciel variable en soirée. Les mercures passent de 18 à 20 degrés. On parle de 23 degrés demain dans l'après-midi. C'est quand même des journées qui se prennent bien. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information de CTRB, votre télévision. Au revoir. Télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.